Shalom bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de Dieu soit toujours avec vous. Je m'appelle au nom de Bishop BIZIMANA Joseph. Je suis représentant légal de l'Église Clé de l'Éveil Mondial. Nous sommes ensemble avec l'Église La Bonne Nouvelle du Rwanda et ce sont de nos collègues. Nous travaillons dans une même atmosphère, dans un même esprit, parce que Jésus nous a unis. Il a fait deux pour devenir un. Nous remercions le bon Dieu puisqu'il nous a protégés pendant tous ces jours. Nous remercions le CLF aussi du Rwanda et nous remercions aussi le YIOF qui nous dirige chaque fois de venir dans des séminaires. Nous vous saluons, nous disons que soyez courageux dans le Seigneur et soyez merveilleux puisque notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va le faire puisqu'il ne peut pas mentir. Il a dit à Abraham qu'il va avoir un enfant et il a eu Isaac. Merci pour cela et nous remercions le Bengier et le fondateur de CLF, le pasteur Oxford Park. Merci à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sois béni aujourd'hui et éternel. Shalom, shalom. Laissons eux prier ensemble. Je commence à prier. Merci Seigneur Jésus. Notre Sauveur et Seigneur, merci pour ta beauté, pour ta miséricorde, Seigneur. Vous êtes un Dieu, vous êtes fidèle. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas faire. Seigneur Jésus, tu connais toute la situation qui se déroule aujourd'hui sur toute la terre. Merci Seigneur Jésus, tu nous as donné le pouvoir. Soit en disant que si nous prions ainsi au nom de Jésus, vous allez exaucer. Alors Jésus, nous vous montrons le coronavirus, il est attaqué le monde. Et votre fidèle, votre enfant, il y a quelques-uns qui sont en train de souffrir. Mais nous suspendons toutes les ténèbres de Satan au nom puissant de Jésus. Puisque Jésus, tu nous as donné la liberté, tu nous as donné le pouvoir. Et si nous sommes dans le pouvoir, nous allons dire au nom de Jésus, toutes choses vont te faire. Nous prions ainsi que le coronavirus, à partir d'aujourd'hui, à travers le nom puissant de Jésus, à travers le nom puissant de la parole, nous demandons ainsi que le coronavirus soit disparu à partir de cette terre, puisque nous sommes tes enfants, les enfants légitimes, puisque nous sommes sauvés et nous sommes tes enfants. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par la grâce. Et par cette grâce de Jésus, tu vas exaucer notre prière. Nous prions à notre soeur, à notre frère, qui est en train de souffrir à travers les quatre coins du monde. Ainsi, Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir d'aller au monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et la puissance et le miracle va suivre la parole. Nous demandons ainsi au nom votre miracle Jésus qui soit exaucé à celles qui souffrent, à celles qui ont affaire, à celles qui n'en ont rien. Tu es beau et tu es tout. Ainsi Jésus, nous prions ainsi. Shalom, shalom, que Dieu vous guérisse, que Dieu help le monde, que Dieu garde le monde, que Dieu sauve le peuple. Que Dieu sauve ces gens au nom puissant de Jésus. Nous prions ainsi. Amen.